Lorsque des catastrophes naturelles, des conflits ou des épidémies se déclarent, MSF réagit rapidement pour fournir des soins médicaux d'urgence à des milliers de personnes dans le besoin. Les défis sont immenses pour amener rapidement du personnel médical, des médicaments et des fournitures dans des endroits difficiles d'accès. Cela nécessite également beaucoup d'énergie, tant pour le transport que pour le fonctionnement de nos opérations, ce qui contribue au changement climatique. En tant que médecin, notre mission est d'améliorer la santé des gens, et non de leur porter préjudice. Nous avons donc décidé de réduire de moitié nos émissions de carbone d'ici 2030. Nous avons défini un plan d'action clair afin de diviser par deux nos émissions de CO2, en nous concentrant sur quatre axes principaux. Le transport, en réduisant autant que possible le recours aux avions pour acheminer nos équipes, les médicaments et les équipements. En utilisant des véhicules qui consomment moins de carburant et en stockant le matériel essentiel dans des régions stratégiques du monde. L'énergie. En isolant mieux nos pharmacies, nos centres de santé et nos entrepôts. Et en utilisant des énergies renouvelables. L'approvisionnement. En achetant des matériaux et des fournitures localement. Et en s'associant à des fournisseurs engagés à réduire leurs émissions. Les changements de comportement. En travaillant avec notre personnel afin de consommer moins d'énergie, de réduire les déchets, de recycler autant que possible et changer notre culture organisationnelle pour refléter ces objectifs. Nous adaptons notre fonctionnement pour réduire notre empreinte écologique. Ce ne sera pas toujours facile, en raison de la taille de notre organisation et de la nature de nos activités. Mais nous sommes déterminés à y parvenir. Sauver des vies sera toujours notre priorité. L'humanité est engagée dans une course contre la montre pour que le monde reste un endroit sûr et habitable. Nous sommes tous concernés.